C'est Paris Bike, j'espère que vous allez bien, putain ça fait longtemps. Toi-même tu sais que ça fait longtemps, et je te laisse deviner pourquoi ça fait longtemps. Et il y a plusieurs raisons, mais ça je t'en parlerai une autre fois. Là tu vois il y a les ZX, tu connais, peut-être que si tu me suis sur Instagram, peut-être que tu l'as déjà vu, la demande de même entreprise. Bref, aujourd'hui de toute façon on va pas trop parler du ZX. Aujourd'hui je vais juste aller rouler, tu vois, je vais aller me faire un plaisir un petit peu, histoire de finir le rodage que j'ai déjà explosé déjà depuis 200 km. Aujourd'hui, je vais aller rouler avec un des très très bons poteaux qui a la même que la mienne, sauf qu'elle est en verte, KRT, édition KRT 2019. J'ai changé la config de la caméra, donc elle est plus au même endroit et je peux la bouger comme je veux. Et le micro a changé également, donc je ne sais pas du tout si le micro va être bien ou quoi, j'en ai aucune idée mon pote. Ça va être la surprise au niveau des rushs. Donc voilà, on va se casser de Paris parce que très honnêtement, ça fait partie d'un des points de pourquoi j'ai arrêté de filmer un petit peu depuis tout ce temps-là. C'est pas que j'avais uniquement changé de moto, c'est aussi parce que Paris, ça m'emmerde, un truc de malade. Et je trouve que c'est en train de changer en très très mauvais de plus en plus. Ici, on ne peut absolument plus rouler. C'est-à-dire que c'est pas genre... avant, les gens, ils regardaient mes vidéos, ils disaient « Putain, mais mec, comment tu fais pour rouler sur Paris et tout ?» Je fais « Bah écoute... C'est comme quand tu roules dans n'importe quelle ville. » Et là le problème c'est que non, c'est pas comme quand tu roules dans n'importe quelle ville. C'est que là je trouve que c'est vraiment en train de changer de ouf. Il y a un milliard de défauts dans Paris maintenant en ce qui concerne pour rouler. Je vais vraiment passer les détails, hein. Je sais pas si j'en parlerai plus dans la vidéo, mais je passe les détails, hein. Je fais un résumé très vite, tous les travaux qu'il y a sur Paris. T'as des travaux, ils sont jamais alimentés. T'as l'impression que c'est la route a été coupée juste pour le kiff, tu vois ce que je veux dire. T'as des travaux partout, t'as des bouchons partout. T'as les mecs maintenant avec leur trottinette électrique, souvent c'est les touristes, donc le code de la route ils en ont rien à foutre, donc ce qui fait que tu les vois passer devant toi dans un croisement, eux le feu il est rouge pour eux mais ils passent quand même devant alors que c'est tu vois à 25 km/h, tu vois, genre les mecs normal, truc absolument pas logique. Et du coup ça commence, excusez-moi pour la piste cyclable, hein, je m'en excuse d'avance, mais je t'avoue je commence un peu à en avoir marre. Oh petit beau gosse, je commence un peu à en avoir marre, tu vois, des bouchons en fait. Et c'est pour ça que la plupart du temps maintenant je vais rouler en dehors de Paris, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est un peu normal si toutes les prochaines vidéos que je sortirai, si j'en sors, hein, parce que moi vous savez c'est un peu comme quand j'ai envie, hein, c'est pas, je gagne pas ma thune avec YouTube, je t'avoue que je m'en fous complètement, mais voilà, ça sera vraiment en fonction de mes envies, de ce que je, si j'ai une sortie ou pas, vraiment dépendre de tout ça en fait. Donc on verra avec le temps. Et elle freine alors que c'est vert. Et tu vois, il n'y a que des mongols comme ça en fait. Il n'y a que des trisos comme ça. Donc du coup, c'est chiant de rouler ici en fait, tu vois. Parce que certainement, elle est en train de garder son portable ou un bail dans le genre. Ce fait qu'elle regardait pas le feu vert. Et toi, tu continues d'accélérer derrière comme un mongolien. Bref. On va mettre un peu d'essentia. L'avantage qu'on a, c'est comme la moto elle est déjà entre guillemets bien noire. Ah, un moine tibétain. Ah non, c'est pas un moine tibétain. C'est qu'on n'aura pas besoin de changer les leviers comme il fallait faire sur le Z800, mes couilles là et tout. Là, les calepins non plus, ouais. Là, on va être tranquille. Et le capot de sel, tu vas l'acheter toi? Ah non, c'est vrai, tu m'avais dit que t'allais faire le truc chez Thier. Même pas? Même pas le truc en gel? En tout cas, elle est plus confortable quand même que le Z. Enfin, la selle est moins dure. On a le temps de passer devant le camion ou il va casser les couilles? Non, vas-y, reste derrière le camion. Vas-y. Tu vas avoir le temps de passer? Ok, nickel. Ouais. Ah, tu l'as payé autre... Putain, j'espère qu'il y a le sans contact, frérot. Parce que s'il n'y a pas le son contact, gros... Actuellement, nous sommes sur l'autoroute, les amis. Il fait... Attendez, bougez pas, parce que j'ai de l'électronique quand même embarquée, toi-même, tu sais. Alors apparemment, à l'extérieur, il fait 17 degrés. C'est marqué juste là, là. 17 degrés, ma man. Salut, à toi. Bon, bah, j'espère que vous m'entendez bien. Je sais pas du tout...
Ouais, c'est limité à 110, c'est vrai. On va faire un petit tour dans le Vexin, tranquillement, jusqu'aux Andelys. Aux Andelys, j'ai jamais su si on prononçait le S à la fin ou pas. Andelys ou Andelys tout court. Petit radar, quand même tu sais. Là, on dirait des tourelles maintenant, les trucs, quoi. On dirait des putains de tourelles, mon gars, le machin. C'est pas ça. Bientôt, on aura des Terminators, mec, à la place des... Mais bon, Alex, allez, viens, là. Bon, et sinon, vous, les amis, comment ça va depuis? Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui, par hasard, regarderaient, qui tomberaient sur cette vidéo-là? Est-ce qu'ils ont passé le permis? Est-ce que vous avez votre permis? Est-ce que vous avez eu votre moto? Parce que moi, ça m'intéresse de savoir comment ça s'est passé durant tous ces mois. Oh, même si je sais que... oh putain, il a failli toucher le plomb! What the fuck? Ça va? Ça va, le mec, il a failli toucher le plomb, quoi! Oh, ah lui, il est bourré, c'est sûr. Ah lui, il a un problème, mon gars. Je te le dis direct. Et il a à deux reprises, hein. Je sais pas si ça se verra sur la vidéo, je vais essayer de zoomer à mort. Mais je te jure, à deux reprises, il a failli toucher le putain de plomb. Oh là là là. Oh là là, sérieusement, quoi. Bon, en tout cas, les gars, j'espère que ça va bien pour vous. Que si vous avez passé votre permis, que vous l'avez eu, que vous êtes devenu un motard fier de l'être, bordel de chiasse. En tout cas, voilà, moi je suis toujours dispo s'il y a des sorties. Vous me dites, les gars, vous connaissez mon Instagram maintenant. Je le mets toujours dans la description et je le mettrai sur la vidéo. N'hésitez pas à y aller, les mecs. Moi, ça me fait plaisir. Même si un jour, voilà, vous avez une moto qui sort un peu de l'ordinaire. Ou même pas, en fait, même pas. Même si même ta moto, tu la kiffes, tu vois. Tu m'envoies un petit message privé sur Instagram, tu dis ouais Raph, est-ce que tu pourrais, parce que oui je m'appelle Raphaël, Raph, est-ce que tu peux me faire un petit shooting s'il te plaît, gratuitement, et je te dirais bien évidemment que oui, en fonction de l'emploi du temps de chacun et compagnie, quoi, tu connais les bails, et ça sera avec un grand plaisir. Le Vexin c'est vraiment vraiment stylé quoi. Heureusement j'ai reconnu l'endroit parce que justement je voulais absolument passer par là. Ici c'est grave stylé mec, mais tellement. Comment se faire niquer son virage. Voilà, ça ça fait du bien mon gars. Ah oui, ça fait du bien, des petits virolos. En fait, ça fait surtout du bien, c'est qu'il n'y ait plus de ville en fait. Excusez-moi. Hein. J'espère que je pourrais m'arrêter pour prendre quelques petites photos. Là, j'espère que je suis pas en train de filmer et qu'en fait le micro il marche pas ou un bail dans le genre. Là, ça va vraiment me saouler. Ah putain. Putain, on dirait les arbres, c'est dans Harry Potter là, le seul cogneur là. Ou genre t'as l'impression qu'il a une couille à chaque bout de branche quoi. Si tu vois pas ce que je veux dire, regarde, c'est ça. Ah, c'est joli là aussi. Ah, qu'on trouve un endroit pour s'arrêter quand même. Hein. Prendre des petites photos là, tu connais. Hein. Putain, mais en été, ça va être tellement le feu là, les gars. Là ce que je fais en fait, vous me voyez tourner à droite, à gauche avec la tête. En fait je cherche surtout des spots en fait où pas arrêter. Peut-être au retour ou à l'aller, je sais pas encore. Mais des spots en fait pour m'arrêter, pour prendre des jolies photos en fait simplement. C'est pour ça que je regarde un peu dans tous les sens, voir si je vois un truc sympa où on pourrait s'arrêter avec Alexis. Donc c'est normal hein, si j'ai l'air d'un mongolien. Et puis en fait comme on s'est déjà fait embrouiller plus d'une fois tu sais à se mettre bah, sur un terrain parce que ça, tout ça ça appartient à des gens tu vois c'est pas à personne quoi c'est forcément à quelqu'un
Et du coup, on s'est déjà fait embrouiller, tu sais, alors que pourtant on était juste au bord du terrain. Bref, je pense qu'on gênait personne, mais bon. Donc c'est pour ça que je cherche un endroit où ça pourrait pas trop gêner, où il y aurait personne qui viendrait nous faire chier, tu vois ce que je veux dire. C'est important, comme ça on est tranquille, tu vois, avec une jolie vue quelque part. Ici, ouais, mais le problème c'est qu'il y a plein d'arbres à la con. Quoique, ça pourrait le faire. Hein. Ah ouais, ça peut le faire en fait. Hein. Allez, on va s'arrêter ici parce qu'il y a une jolie vue quand même derrière. Et c'est sympa, je trouve. Enfin, de toute façon, ce spot là il est super connu. Hein. Vous demandez à n'importe qui. Les trous qu'il y a par terre, mon frère. Ah, c'est joli aussi ici là. Super beau, putain. Accident. Petit accident de ouf. Alors que je venais de réactiver la caméra. Bon, c'est bon, on est revenu sur Paris. Enfin, moi je suis revenu sur Paris. Alex est parti de son côté. Je t'avoue que j'ai les deux jambes endormies de ouf. Je sais pas pourquoi. Ah, je crois que c'est là. Ça. Pas content, les messieurs. J'ai les jambes endormies, frérot. C'est ouf. Le retour à la merdasse du bouchon. Et encore là, ça devrait le faire encore. Et je pense que le pire, ça va vraiment. Là, il est 4h30 là. Je pense que le pire, ça va être vers 17. D'accord, ok. Donc lui, il veut absolument s'intégrer entre moi et la voiture. Ça c'est monsieur Nablon, ça. Ah, je suis sûr c'est monsieur Nablon. Est-ce qu'il va faire un petit wheeling? Putain, mais ce feu, les gars, ça fait 600 ans il est en clignotant orange, quoi. À croire que, tu vois, genre, à croire qu'ils ont toujours pas remarqué qu'il y avait un problème ici, tu vois. Il n'y en a aucun qui va s'arrêter. Y'en a aucun qui va s'arrêter, c'est un truc de dingue. Putain, c'est un truc de dingue, frérot. Bon, en tout cas, je sais pas combien de temps la vidéo va durer. Enfin bref. Même si elle aura pas duré très très longtemps, j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Et je vous dis à la prochaine, les gars, parce que là, ça sert à rien, il va y avoir que des bouchons et des bouchons et des bouchons. Donc, hasta luego, il mi casa, o su casa, as you want, bro. Bref, see you guys.